Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vois que vous commencez tranquillement à arriver, c'est super, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a le moral. Coucou Jérôme, coucou Fabienne, bonjour Marotine, coucou Laurent. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout le monde a beau temps et que tout le monde a la pêche. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh ben je vous propose qu'on passe un bon moment, une petite heure ensemble. Bonjour Nathalie. Oui, d'accord, pas de problème. Sinon, il y a le replay, Nathalie, pas de souci. Coucou Marotine, comment ça va? Salut ma Laurence, coucou Fatou. Bonjour Viviane, super, je vois que tout le monde arrive, bonjour Nadine, bien, bon, c'est super, je vois que vous arrivez tranquillement. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je suis Harmonie Marais et je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Bonjour Annette, coucou Sandrine. Et du coup, j'en ai fait mon activité principale depuis quelques semaines, pardon, pour ma plus grande joie. Voilà, je suis indépendante maintenant. C'est pas plus reposant, mais c'est un vrai bonheur quand même. Si, Laurence, Sandrine est là, t'inquiète pas, ma belle. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire coucou, c'est la première fois. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi, aucune obligation, si vous avez envie d'inviter des amis à vous à partager ce live, donc à partager la vidéo sur vos pages par exemple. Attention à ne pas le faire sur des groupes privés, pour le respect du travail de chacun et chacune. Coucou Martine. Coucou ma Sandrine, ça y est, t'es là. C'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît, comme ça on sera plus nombreux et ça sera très sympa, enfin du moins je l'espère, j'espère que vous passerez un bon moment. Aujourd'hui c'est un live très simple, vous allez voir, une petite boîte que j'avais déjà proposée en Make & Take dans mon groupe des portes ouvertes virtuelles. Voilà, vous allez voir une boîte très simple et du coup on va pouvoir... changer complètement d'univers par rapport à ce que je vous ai proposé au début. Voilà, on va complètement changer de thème, comme quoi, quelles que soient les créations, on peut sans problème faire n'importe quel projet. Coucou Muriel, bonne bronzette du coup. Bonjour Marianne, comment ça va? Canicule bretonne, Martine. Qu'est-ce que tu entends par canicule bretonne, dis donc? Coucou ma coco, j'espère que tu vas bien ma belle. Accroche-toi. Accroche-toi. Alors comme d'habitude, vous le savez, en début de live, je vous parle des infos de la semaine. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc bienvenue. Coucou Flo, bonjour Lulu, coucou Annette. N'hésitez pas à me faire un petit coucou particulier si vous nous rejoignez pour la première fois. Et coucou Pascal, ça va? J'ai Google qui s'ouvre tout seul. 30 degrés à l'ombre en Finistère. Waouh, magnifique Martine. Attention au coup de soleil quand même. Hein. Ça serait dommage. Donc cette semaine, dans les infos de la semaine, je vous rappelle que j'avais publié donc une sorte de planning de l'été. Et dans ce planning, je vous indiquais donc que je partais une petite semaine en vacances, donc je pars le 31 juillet. Oui Pascal, bon courage pour le travail, alors pas de problème pour le replay non plus, gros bisous. Donc je pars une petite semaine, il y aura une vidéo quand même, ne vous inquiétez pas. J'emporterai mon ordinateur quand même pour pouvoir passer les commandes que j'aurai à passer pour les différents clubs, donc j'abandonne pas complètement, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça je vous le remets, du coup voilà c'était à peu près le planning, donc on va faire une petite pause aussi sur les Sunday Challenge, de toute façon au vu des participations là cet été,
C'est un petit peu baissé. Je sais que voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à être partis en vacances et surtout vous avez bien raison. Donc on va faire une petite pause. Coucou Nati, comment tu vas? Ça fait un moment. Voilà, une petite pause. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Alors oui, du coup, je le vois donc sur mon planning. J'ai lancé, comme promis, oulala, ça y est, ça recommence. Mon Dieu. J'ai lancé les échantillons des papiers design du mini catalogue que vous avez reçu ou que vous êtes en train de recevoir, puisque vous le savez, j'ai eu un souci dans ma commande. Donc, ça y est, maintenant, tous mes colis, tous les catalogues sont partis. Ça ne dépend plus de moi maintenant. Tout est parti. Vous allez recevoir tout ce qui vous manquait, le Club in Color, les catalogues. Voilà, tout ce qui vous manquait n'est plus entre mes mains. Ça y est, donc ça arrive. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis quand même des publications, donc vous avez déjà un aperçu de tout ça. Bonjour Nadine, comment ça va? Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, Laurent, je suis d'accord. Donc, ces mini kits échantillons que vous aimez beaucoup, ça y est, sont lancés. Je vous affiche un petit échantillon à l'image de ce qui pourra être disponible dans ces échantillons. Et dans le haut ou le bas de la vidéo, je ne sais pas trop où ça se situe pour vous, parce que je n'ai pas le même retour que vous, je vous ai mis le lien vers l'article qui concerne donc ces échantillons. Voilà, vous allez peut-être trouver ça un peu trop tôt dans le timing. Ceci étant dit, le temps que tout le monde le voit, le temps que tout le monde s'inscrive, que moi après je puisse passer les commandes, que ça m'arrive, que je découpe les papiers, etc. etc. Si je veux pas que vous, Noël soit passé avant que vous puissiez recevoir les échantillons, il y a un moment où il faut anticiper. Voilà, oui, ma Laurence, j'ai vu, merci beaucoup. Sandrine Brulle, je viens de recevoir ta carte ce matin, j'ai pas encore eu le temps de t'envoyer un petit mot, mais merci beaucoup, elle est magnifique. Bonjour Michel, bonjour Noël. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du diapo, voilà. Donc voilà, ça c'est lancé, c'est en route. Si vous voulez vous inscrire, allez-y, c'est le moment. Coucou Elsa, ça va ma belle? Voilà, voilà. Quant au projet du jour, je vous disais, une petite boîte toute simple. Martine, ça va arriver. Aujourd'hui ou demain, je pense, ça devrait être bon, ne t'en fais pas. Une petite boîte toute simple. Il vous fallait très peu de matériel, vous avez vu. Une feuille de papier A4, quelques morceaux de papier design, deux aimants. Et puis après, la déco, vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est assez facile. Je vais tout de suite basculer ma caméra et comme ça vous voyez les petites boîtes à l'image. J'ai utilisé donc dans cette présentation des produits en fait que vous pouvez obtenir pour trois d'entre eux, hein, pas la majorité, lorsque vous avez des commandes qui dépassent le palier des 200 euros, vous savez, ce qu'on appelle les cadeaux hôtesse. Voilà. Et donc il s'agit donc du petit crapaud qui est ici. Donc en fait c'est un superbe set de tampons avec un magnifique signe et puis petit crapaud, donc prince et princesse, voilà. Et puis la collection de papier que vous connaissez maintenant, motif en fait c'est pareil, un format extraordinaire de papier en 30,5 par 30,5 avec 48 papiers dedans, incroyable. Donc vous voyez des papiers très 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 colorés. Coucou Béatrice, ça va ma belle? Le retour de Crapouillot, ouais exactement, Crapouillot est là. Crapouillot, il a un souci avec les lives, il ne peut pas regarder et commenter en même temps, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère que le problème va s'arranger rapidement. Bonjour Delphine, bienvenue. Donc une petite boîte toute simple, voyez, hop, qui a quand même une assez grande capacité, puisque par exemple, si je prends mon pad d'encre, hop, il rentre presque entièrement dedans. Vous voyez? Donc, en termes de hauteur, hein, j'entends. Oui, mon Jay, je sais que t'es là.
Donc voilà, assez pratique pour faire un petit cadeau par exemple. Voilà, et la seconde, hein, même principe. Hop, et j'ai donc caché mes aimants à l'intérieur, enfin plutôt sous le papier design. Alors, je vois qu'il y a des commentaires en même temps. Parfois, je les ai plus. Alors, je suis désolée, je dois avoir des bugs par moment. Des petits arrêts sur image. Mais c'est que, voilà. Le réseau fait que parfois, mes commentaires disparaissent. Je ne vous vois plus. Donc, je vérifie que je ne vous ai pas complètement perdu. Ça serait bête quand même. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va complètement changer d'univers. Et on va travailler avec la collection de la page 68. Petite dédicace à ma petite Cathy, qui n'est pas là, donc qui doit être en train de bosser, la pauvre. Voilà, une superbe collection qui est super belle. Vous avez l'habitude de ces présentations. Recto verso à chaque fois. D'accord, on a du papier qui est très brillant. Nous sommes dans les tons gris souris, noir nu et très vanille. Voilà. D'ailleurs, je vais travailler avec une base de très vanille aujourd'hui. Ça va changer un petit peu du blanc simple, vous allez voir. Elsa, ouais, elle est belle, hein? Ouais, elle est vraiment très très jolie. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous aussi qui me disent souvent, j'ose pas l'utiliser, j'ose pas couper mon papier. Je vous rassure, ça arrive à beaucoup d'entre nous où on trouve que le papier est tellement beau qu'on a du mal à se lancer pour l'utiliser. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Donc vraiment un papier très joli, très classe, je trouve, avec du brillant, évidemment, hein, tout ce qu'on aime. Vraiment très très beau. Donc gris souris, noir nu, très vanille, et puis du cuivré aussi, hein, vous voyez. Coucou Céline, comment ça va? Laurence, t'accroches pas? Bah écoute, t'as le droit de pas accrocher, hein? Il n'y a aucun problème, ma belle. Il y en a tellement d'autres. Je suis pas inquiète pour toi. Tu vois, Sandrine, c'est pareil, elle a du mal aussi. Voilà, c'est chacun ses goûts. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Et puis, à la base, le projet de la petite boîte. Oui, Elsa, il n'y a pas de souci. Bon courage, ma belle. T'en fais pas. Bonjour Françoise. L'essentiel, c'est d'apprendre à faire le projet. Et puis après, ben vous avez forcément choisi un papier. D'ailleurs, je suis curieuse. Qu'avez-vous choisi comme collection ou comme style de papier? Dites-moi, dites-moi. Muriel, oui, pas de problème pour le replay, ça marche. Les rebelles. Oui, ben oui, mes VIP sont des rebelles. Eh ben, c'est pas grave. Allez, on y va, on se lance. C'est parti, je mets ça de côté. Voilà, j'ai préparé mes papiers, donc le trait vanille. Je vais travailler donc avec l'arrière le plus foncé et le plus sobre de ce papier. Voilà. Et je vais partir sur le cuivré. Donc en fait, j'ai découpé un cercle. Ah, les escargots, Nati. Ah, dis donc, ça va être sympa. Dans du papier cuivré qui est juste magnifique. Laurence, oui, repose-toi, t'en fais pas, ma belle, il n'y a pas de problème. Ah, Céline adore la collection. Bon, bah c'est parfait. Donc avec la pyramide de cercles, j'ai découpé deux cercles, un festonné et un dans le trait vanille. Et puis cette petite fleur ici, eh bien, soit vous pouvez la tamponner vous-même. Mais là, j'avais envie de changer un peu. Donc tout simplement, j'ai pris ma petite paire de ciseaux et j'ai fait du détourage tout autour pour récupérer la fleur. Et j'ai embossé ici. Alors, je ne sais pas si vous verrez très bien l'embossage. Voilà, embossé ici avec la poudre cuivrée que j'adore. Vraiment, elle est vraiment trop belle. Et la dorée et la cuivrée, je crois que c'est mes préférés. Ceci dit, l'argenté aussi. Bon. Ok, vous allez me dire, elle aime tout en fait. Coucou Monique, j'espère qu'il fait beau, ma belle. Donc voilà, c'est une petite déco qui va être toute simple, qui va venir donc remplacer le petit crapouillot ici. Voilà. Hein, et puis du coup, vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Du coup, j'ai préparé ça un petit peu d'avance.
On se concentre vraiment sur les plis et les découpes de la boîte qui, ne vous inquiétez pas, sont quand même très simples. Hein. Pas de panique. Oui, Fatou, elle aime tout. Elle n'y a pas de problème, tout lui plaît. Et donc, vous allez voir, il y a un super contraste qui va s'opérer entre le papier noir et puis la partie ici qui sera cuivrée. Hop, là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Et le contraste entre le cuivré, le très vanille et le noir, ça va être super sympa. Et puis le côté brillant aussi, ça j'aime beaucoup. Voilà pour tout ça. Je vais vous afficher les mesures. Voilà. Non, crapouillot, tu sais qu'en le disant, je me suis dit, aïe aïe aïe, il va me choper, c'est sûr. Allez, c'est parti. Je vous affiche, hop, en bas à gauche, ici, les mesures. Un petit rappel de ce que je vous avais indiqué, donc merci Nadine, dans la publication de l'événement, tout simplement. Ok, et donc je prends mon coupe-papier et nous allons tout de suite nous lancer dans la création de cette jolie boîte. Hop. Alors, vous prenez votre feuille de papier A4. Je vais avoir un souci entre mon ordinateur... Non, ça devrait le faire. On va tricher un petit peu. Là, pour que vous ayez tout à l'écran, voilà, normalement. Non, jamais je remplacerai mon crapouillot. Du coup, je suis perdue, j'arrive même plus à le dire. Excusez-moi, je bois une petite gorgée tout de suite avant de m'emballer, parce que je me connais. Alors... J'espère que vous êtes prêts et c'est parti, on va se lancer. Je reprends mon schéma avec moi pour être sûre de ne pas vous faire faire de bêtises. D'ailleurs, en parlant de schéma, hop, regardez-moi ça. Vous avez un premier aperçu de ce que nous allons réaliser tout de suite, d'accord ? Si besoin, je pourrais vous le remettre à l'image, d'accord ? Ça peut paraître impressionnant comme ça, mais en fait, c'est juste parce qu'il s'agit de faire plusieurs plis. Et puis quelques découpes, d'accord? Mais pas de panique, vous allez voir. C'est très très simple à faire. On ne s'emballe pas. Ok? De toute façon, je vais le faire en même temps que vous au fur et à mesure. Ok, c'est bon pour vous? Allez, on y va. Je place donc sur mon coupe-papier ma feuille de trait vanille avec le bord le plus long en haut. Et je commence, je me lance, je commence à faire mes plis. Non, je ne vais pas te remplacer, j'ai dit. Allez, on y va, on se lance pour les plis. C'est parti. Le premier pli que nous avons à faire est à 5 cm. 5 cm. Le second pli est à 14 cm. Le troisième à 19 cm. Et le dernier pli, sur ce côté est à 28. Là, on pousse un petit peu plus loin. Ok, donc je rappelle les mesures sur le bord long et vous allez les avoir aussi en commentaire là, je le sais. 5 cm, 14, 19, 28. Ce ne sont pas les tirages du loto. N'importe quoi. Il est temps que je parte en vacances. Je retourne mon papier. D'accord? Donc sur le bord court. Hey, Sandra, ça va ma belle? Je suis contente de te voir ici. Donc je disais, je retourne mon papier pour faire les plis sur le bord court. Et là, mon premier pli est à... Alors, c'est toujours ce genre de mesure un petit peu bâtarde, comme on dit. 5,15. Bon, c'est entre 5,1 et 5,2. Vous ne vous prenez pas trop la tête. Hein. Donc, hop, je place mon papier correctement. Et c'est parti. Et là, je vais bouger. Hop. Du coup, je vais replacer.
Voilà. Donc 5,15. Le second est à 15 cm. J'ai encore un bug sur vos commentaires, il n'y a plus rien. 5,15, 15 cm. Et le dernier pli à 17,5. Voilà. Les plis avec le coupe-papier sont maintenant terminés. Vous allez ensuite vous munir d'un crayon de papier, tout simplement, d'une petite règle, et de votre outil pour plier le papier. J'ai totalement perdu vos commentaires. On va retrouver Harmonie dans la mare. Ah bah ça y est, ça revient. Fatou, dommage, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça va être encore compliqué les commentaires, j'espère que ça va aller. Alors, nous allons maintenant. C'est bon pour vous les plis? Je vais enlever ça. Voilà. Donc là, j'ai ma feuille avec les plis que nous venons de faire. Je vais essayer de marquer les plis. Vous voyez un petit peu mieux, très légèrement. Je ne vois que quelques petits pouces et quelques petits cœurs qui s'affichent à l'écran, mais c'est tout. Désolée, je pense que tu n'as pas mis une bonne dimension en bas à gauche. Alors, je crois que c'est à chaque fois qu'il y a les fichus marabouts, ça bug complètement à chaque fois. Bon, ça vous laisse le temps, quoi qu'il en soit, de vérifier vos plis. Et nous allons attaquer ensuite les autres que nous allons faire. À la main. Hop, je reconnecte ça. Oui, l'erreur s'est produite. Je vois bien. Je vois bien. Ça y est. C'est l'horreur. Oui. Alors. Je me suis trompée donc sur les mesures que j'ai affichées à l'image, effectivement, et je crois savoir pourquoi. Je vais y remédier tout de suite. Regardez, hop, ou bon, ah si, voilà. Voilà, cette fois, ce sont les bonnes dimensions. Avec toutes mes excuses, merci Laurence d'avoir repéré cette petite erreur. Alors, j'aimerais bien pouvoir avancer, je vous avoue que c'est un peu laborieux pour moi à l'image. J'espère que pour vous c'est bon. Ah Fatou, le loto, oui, exact, exact. Alors, je me reconnecte là-dessus, j'espère que vous m'avez toujours. Ces fichus marabouts là, ça bloque tous mes commentaires à chaque fois. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ok, n'hésitez pas à me faire coucou si vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas perdu parce que du coup c'est un peu compliqué tout ça. Bien, on continue. Donc, maintenant que nous avons marqué nos plis, vous avez votre feuille A4 devant vous. Vous allez la positionner pour qu'on puisse être ensemble. Vous avez la toute petite partie qui se trouve sur la droite. Là, d'accord? Le petit pli là que nous avons fait. Ok, ce petit pli là,
Vous le placez de manière à ce qu'il soit sur votre droite. Alors ne vous inquiétez pas, par moment il y a un petit peu de flou, mais ça revient très vite en général. Coucou Isabelle, il n'y a pas de problème, ne t'en fais pas. Ok, donc on a le petit pli sur la droite. Et nous avons un seul grand rectangle ici, hop, vers le bas. D'accord? Maintenant, nous allons faire en fait tout simplement une petite marque à deux endroits pour venir faire des plis en diagonale, tout simplement pour venir faire cette espèce de V ici que nous avons sur les côtés de la boîte. D'accord? Voilà, sur les deux côtés. Ok. Donc c'est ça qu'on va venir marquer, d'abord avec une petite marque au crayon, et ensuite avec notre outil pour venir former les plis de ces diagonales. D'accord? Ça marche pour vous? Pour cela, nous allons marquer le centre du premier et deuxième rectangle au centre. D'accord? Donc on a des plus grandes parties là. Merci Isabelle. On a un pli, deux plis, trois plis, quatre plis. Ok? Ici on en a deux sur le haut. Ok? Et là on a la plus grande partie. Donc, le premier rectangle ici de gauche, on vient simplement faire une petite marque à la moitié. Donc vous verrez, ça fait 5 cm. Donc une petite marque à 2,5. Et nous faisons de même au troisième rectangle, qui fait exactement la même dimension, à 2,5, pareil, au centre. Donc premier rectangle, deuxième rectangle. Et là, tout simplement, il suffit de venir donc dessiner ces fameuses diagonales que je vous ai montrées, d'accord, que l'on a vu ici sur la boîte. Hop, les deux là. Oups. Voilà, donc là, ici, à cet endroit-là, on a fait notre marque à 2,5. Et on va venir rejoindre, hop, les extrémités comme ça. Ok? Donc on s'arrête, hein, ici. Je place mon petit truc, hop, et je viens marquer les diagonales. Je transforme en fait un V à l'envers. Ok? C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez arrivé à suivre? Je sais qu'avec les feuilles blanches, c'est toujours un peu compliqué, mais est-ce que mes explications vous aident? Ceci étant dit, je vous rappelle que si jamais vous n'arrivez pas à suivre pendant le live, ne vous inquiétez pas, à la fin du live, vous retrouverez bien sûr la vidéo, mais également ma fiche technique, la fiche technique en fait, qui sera sur le blog que vous pourrez télécharger, et du coup vous aurez toutes les indications pour pouvoir la refaire. D'accord? Coucou Fabienne, ça va ma belle? Voilà, donc là j'ai fait ma première diagonale. En fait, c'est que mon image est tellement claire aussi, c'est un peu compliqué, mais bon. Je vais marquer l'autre, et puis comme ça je pourrai vous montrer tout d'un seul tenant. Hop, voilà. Et je marque la diagonale sur le troisième rectangle de cette feuille de papier. Dans le cirage, qu'est-ce qui t'arrive, Fabienne? Beaucoup de boulot? Voilà. Ah mais c'était pas que des examens? Oh, il va falloir qu'on... Ouais. Alors, maintenant ça c'est fait. Hop.
Nous avons donc la dernière partie en bas là. D'accord? En fait, on va venir couper ici. Donc on va désolidariser hein, en fait les bandes qui sont en bas. Je vais les dessiner comme ça. Ça vous permettra de voir un peu mieux, je pense. Voilà. Hop. Si je les dessine, au moins, vous les verrez à l'image. Là, on va arrondir. Hop. Tout ce que je suis en train de tracer là, on va le couper, d'accord? Voilà. Donc ça va tomber. Ça aussi. Toute cette partie-là va tomber également. Et là, en fait, on va couper en deux cette languette. Et ici aussi, donc pour faire tomber ça et ça. Voilà. En taille réelle, ce que nous allons devoir faire pour cette petite boîte. Pour celles et ceux qui nous rejoignent juste un instant, nous sommes en train de faire une petite boîte cadeau, toute simple, voilà, avec comme un petit soufflet. Donc je vous l'ai présenté avec le petit crapouillot et le macareux, pardon, autant pour moi. Et cette fois, nous le faisons avec la collection Éloquence simple de la page 68. Donc vous avez, voilà, je vous ai crayonné en fait tout ce qui est hachuré doit disparaître, d'accord? Et les traits ici représentent ce qui doit être coupé. Ça marche? Eh bien, on y va tout simplement. Donc on désolidarise chacune de ces parties. Coucou Sylvie et bienvenue, j'espère que la cure se passe bien. Là-bas, il va faire très beau, j'imagine. Hop, je coupe cette petite languette. Voilà. Ensuite, ici. Hop. Coucou Aude, comment ça va? Ici, un petit peu en biais. Ici également. Hop. Ici, je me sépare de cette partie-là. Voilà. Et ensuite, tout le reste là, où il y a le trait, ça va tomber. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ça va? Ça vous plaît? C'est vrai qu'avec les boîtes, c'est toujours un petit peu compliqué, les schémas. Hop, là. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Si le zoom pouvait, le focus pouvait se faire correctement, ça m'arrangerait. Ah, non, ça y est, c'est bon? Oui, ça a l'air bon. Voilà le morceau de papier que vous devez obtenir après les découpes que nous venons de faire. Ici, je vais simplement arrondir un petit peu mes angles avec ma perfo préférée, le trio détaillé. Voilà, tout simplement, pour rendre tout ça un petit peu plus joli. Je vais également penser, bien sûr, à effacer
les petites marques que vous aurez faites au préalable, parce qu'évidemment, sinon, ça va se voir et c'est beaucoup moins joli. Alors, je suis désolée, j'ai à nouveau perdu vos commentaires. J'espère que vous arrivez cependant à suivre. Ça, c'est le genre de choses qui me contrarie vraiment beaucoup parce que j'aime vraiment papoter avec vous. Et puis du coup, ben, vous ne me voyez plus répondre. Du coup, vous partez. Je trouve ça trop bête. Voilà, j'efface tout ça. Sinon, ça fait un petit peu cracra. On est d'accord. Ensuite, on va venir insister donc sur les diagonales que nous avons marquées. Hop. Voilà. Donc là, j'aide délicatement mon papier à prendre les fameux plis que j'ai fait en V. Voilà, on y va tranquille, hein. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, eh bien, vous le savez, on vient correctement marquer tous les plis que l'on a fait au préalable avec le coupe-papier. Oui, ma Sandrine, je sais que tu m'abandonnes pas, toi. Hop, voilà. Voilà. Ici, je vais biseauter un petit peu parce que je veux être sûre que ça va se coller correctement. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, je vous montre à peu près comment va se mettre la boîte. Hop. Si elle veut bien, bien sûr. Donc, les diagonales vont à l'intérieur. Hein. D'accord ? Voilà. Ici, la petite languette que nous avons sur le côté va être maintenue, hop, comme ceci. Voilà. Et puis, les languettes du fond de la boîte, hop, hop, et hop. Voilà. Notre boîte va se placer comme ceci. D'accord ? C'est ok pour vous? Ça marche? Donc, et bien maintenant, il va falloir un petit peu décorer. Donc, hop, les morceaux ici. Celui-ci, je crois que je l'ai mis là. Un autre sur le dessus. Voilà. Ensuite, j'ai l'avant de ma carte qui va être là. Comme ceci. Et puis, celui-ci va venir à l'intérieur pour cacher mon aimant. Donc. Hop. Merci, ma Laurence, t'es mignonne. Je vais déjà monter ma boîte et puis je collerai mes papiers après. Alors, les petites languettes ici, comme je vous ai montré juste avant. Voilà, celle-là va aller au-dessus et celle-ci, là. Hop. Donc là, en fait, il suffit simplement de coller toutes ces jolies petites languettes pour que le fond
Voilà. Alors, hop, on fait attention que tout soit bien centré pour que ce soit joli. Voilà. Ma petite languette ici va venir comme ça. Voilà. On attend quelques secondes hein, que la colle prenne bien. Hop, on l'aide aussi avec notre plioir pour qu'elle adhère bien au papier. Merci Sylvie, c'est gentil. Hop, voilà. Et je viens coller le petit bout de languette ici sur le côté. Voilà. Et en fait, pareil, on s'assure que tout soit bien droit, nickel. Faites bien attention surtout à la pointe ici en bas, que ça soit bien collé, que vous ne soyez pas embêté au moment où vous allez par exemple la remplir. Ok? Voilà. Hop. Vous pouvez aider encore plus la boîte. Voilà, à prendre correctement le pli. Si jamais vous n'avez pas d'aimant, ce n'est vraiment pas grave. Il y a plusieurs options. Vous pouvez aussi mettre des scratchs, ça c'est possible. Ou tout simplement la faire tenir fermée avec un ruban que vous allez mettre tout autour. Ça peut être très sympa aussi. D'accord? Alors, hop. Maintenant, mes aimants. Donc là, c'est des aimants que j'ai qui sont autocollants. Donc si celui-là, hop, ils sont tellement puissants que du coup ils se collent à travers mes doigts. Donc je viens m'assurer qu'il est dans le bon sens. Je vois la polarité en le plaçant déjà. Voilà, comme ça, ça sera nickel. Donc, hop. Je pose mon premier aimant, comme ça après, je pourrai tranquillement poser mon papier design dessus. Ça cachera parfaitement justement le papier. Fais attention que le couvercle tombe bien sur l'avant de la boîte de chaque côté. Voilà. Ou pas, hein. Donc, il a décidé de m'agacer, c'est pas grave. Je vais le remettre à la main. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir poser le deuxième. Je vérifie quand même, voilà, qu'il va être bien positionné. Nickel. C'est l'avantage avec les aimants autocollants. C'est que du coup, on se met pas de la colle partout. Voilà. Hop, nickel. Vous voyez, ça y est, le plus gros de la boîte est fait. C'est vraiment tout simple. Maintenant, il suffit simplement de venir décorer la petite boîte. Excusez-moi. Donc, pour cela, deux morceaux de papier design ici qui vont venir cacher donc, notre petit aimant. Là, vous voyez, j'ai arrondi les angles. Donc, surtout si vous l'avez fait, n'oubliez pas de le faire également sur le papier design parce que sinon, c'est moins joli. Voilà, on va jusqu'au bout de l'arrondi, tant qu'à faire. Voilà. Donc, je vais le coller tout de suite. Nickel. Un autre petit morceau ici pour le dessus de ma boîte. Voilà. Vous pouvez ou pas, c'est comme vous voulez. Hein. Ça dépendra de l'endroit où vous aurez posé votre aimant. Vous pouvez choisir de venir décorer ici cette partie-là.
D'accord. C'est vraiment pas une obligation. D'accord. Ensuite, le morceau d'eau de papier design ici va venir juste devant. Et je n'aurai plus qu'à coller ma petite déco à l'avant. Et de ce fait, ma boîte sera terminée. Oui, Chantal, bonne idée, il n'y a pas de problème. Il y aura la fiche technique dans quelques minutes sur mon blog. Voilà. Voilà, ça fait très sobre, très classe, je trouve. Et je vais venir y ajouter donc le petit côté brillant ici, que je trouve trop joli. Donc là, ou des dimensionnels ou de la colle. Voilà, c'est vous qui voyez. Pour le coup, je vais mettre quelques dimensionnels dessus. Hop. Donc, ne faites pas comme ça m'est déjà arrivé une fois. D'accord? Assurez-vous de bien le positionner et surtout de ne pas aller mettre des dimensionnels sur le bas. Du coup, sinon, c'est drôlement plus compliqué. Voilà, donc, hop, ici. Oh, bah, ça fait des grandes bandes, ça. Si en plus j'ai la protection de l'aimant qui vient s'y mettre, je vais plus y arriver, les amis. Voilà. Mes dimensionnels ici. Voilà, j'essaie de centrer là. Et voilà. Du coup, je vous avais dit, hein. Oui, aussi, Laurence, effectivement. Ça dépend de l'appréhension qu'on a. Voilà donc cette deuxième version de la petite boîte cadeau, toute simple. Vous pouvez aussi vous amuser à en mettre derrière ou carrément faire comme si c'était une carte cadeau et du coup mettre un petit mot à l'arrière, ça peut être sympa aussi. Mais voilà un univers complètement différent de toutes ces boîtes, vous voyez. Alors, si je les mets comme ça, voilà. Donc, on a là les boîtes un petit peu plus enfantines. Festive, etc. Et puis là, la boîte un petit peu plus classique, par exemple, qui pourrait presque même être masculine, je dirais, hein. Ouais, ça pourrait le faire aussi. Voilà. C'est clair. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ces petites boîtes vous ont plu, que vous avez passé un bon moment. Je vais revenir, bien sûr, vous saluer de l'autre côté. J'espère que ça vous a comblé, que vous avez passé un bon moment. C'était, voilà, l'avant-dernier live du mois de juillet. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un projet qui sera très très simple, mais que j'adore, que je trouve super joli. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Toutes celles et ceux qui sont en vacances, surtout, profitez-en. Profitez, profitez, profitez. Merci beaucoup, Marianne. Vous êtes toujours adorable. C'est vraiment très gentil. Merci, Crapouillot. Merci à toutes et à tous. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. J'essaye d'y revenir. Quelques jours après pour vous faire coucou aussi. N'oubliez pas de partager vos créations, ça me ferait plaisir de les voir avec le hashtag Harmony Scrap. Et n'oubliez pas le kit des échantillons de papier design. Les inscriptions sont en ce moment, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil également sur mon blog et dans le lien de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Pour le dernier live de juillet. Ciao, ciao tout le monde, bon après-midi.